La DEA s'est refusée à tout commentaire, mais les autorités locales nous ont informé que les mystérieux incendies déclarés dans la Sequoia National Forest ont débuté dans un gigantesque champ de marijuana dissimulé au cœur des cimes montagneuses. Un appel a été passé aux pompiers locaux pour les avertir de l'incendie avant qu'il puisse se propager vers la forêt environnante. Des corps calcinés ont été retrouvés parmi les cendres, et les enquêteurs du service forestier estiment que l'incendie provient d'une querelle entre gangs criminels sud-californiens impliqués dans le commerce illégal de drogue. Prenez le matos avant qu'on se fasse repérer. La police de LA a pu choper. Dépêchez-vous, on doit y aller. Ben, on a le suspect que vous vouliez choper. Non seulement il avait du matos sur lui, mais en plus, il est camé comme une nageuse de l'Est. Coffrez-le pour défonce sur la voie publique. Et en garde à vue pendant 24 heures. Bon, Evans, votre petit frère est hors de danger. On peut commencer. Salut Pam, quoi de neuf? Ben, la petite est malade et j'ai pas de mutuelle. Malade? Oui, elle a une hépatite C. T'avais dit que t'étais clean, t'avais promis. Quand j'ai su que j'étais en cloque, j'ai arrêté de me shooter. Je te jure, je suis clean pour de bon là. Ah, t'inquiète pas pour le bébé, je vais trouver une solution. Ah, oh, merci Ben. Merci. Il y en a combien des loulous là-dedans? Deux? Cinq? Deux. Dehors. Et à l'intérieur? 20 peut-être. Sans déconner. 20? Putain, ça va être moche. Voilà la baraque. C'est quoi ce... Deux à l'extérieur, je l'avais dit. On dirait que vous connaissez le quartier. Ok, on rentre, on s'incruste. On passe par l'allée. Mike m'a embarqué hier soir, et ce fils de pute m'a tout piqué. Qu'est-ce que tu branlais avec les Rolling 50s, Suzy? Ce Mike est une pourriture. Merci, je suis au courant. Il m'a foutu des baffes, et il a dit que je valais pas le coup d'être payé. Il m'a chourave mon portefeuille et $500. Aide-moi, Ben. Récupère tout ça et je te le revaudrai. Je serai très gentille. Putain... Faites pas de bruit.
Attention. Putain, c'est quoi? C'est qui ces enfoirés? Je vais te fumer, fils de pute! Laissez-le, en haut, vite! Ok, allez, retournez la baraque. On cherche quoi? Tout ce qui vaut quelque chose. Pognon, drogue, armes. Bousiller tout ce qu'on peut pas transporter. L'idée, c'est de faire chier ces salopards. Par ici, venez là. Un petit bonus. Oh merde, ces gars vont être vénères. Ah ça, ils vont en chier un sombrero. Allez, on tague l'endroit et on s'arrache d'ici. J'arrive pas à croire que je fais ça. On fout juste un peu le bordel. Tirons-nous d'ici. Ils sont infestés d'araignées ici, hein. Merde! Vous entendez ça? Par ici! À gauche! Je peux pas faire ça, c'est eux ou nous? En bas! Mettez-vous à couvert! Putain! Ah ouais, en se faufilant entre les balles! Défoncez-les! Où on est, putain? Elle est par où, la caisse? Ta gueule, putain! Où est le putain? À gauche! Oh, mal. Derrière!
J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis, ou un truc de ce genre. Tirez, bordel! Regardez! Par là! Tu sortiras pas d'ici! Par ici! Ces salopes ont eu leur compte. Ils sont déjà là. Revenez ! On n'a pas le temps. Les flics sont bientôt là. Evans, vous allez tirer, oui ou merde ? Je tire, pauvre con. Là, là, là ! Tout droit. Ils attaquent par le côté. Tirez, tiens ! Il est trop ! Baissez la tête ! À gauche. Sans nous, vous seriez à la morgue, je vous signale. Tuez-les. Vous rentrez pas souvent, hein. Si Brawler commence vraiment à déranger. Derrière. Cours à moi. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Sans nous, vous seriez à la morgue, je vous signale. Tu sortiras pas d'ici. Ne laissez pas partir. Putain. Et voilà. Tirez, bordel. T'es mort, ça enculé. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Regardez. Et y'a cette merde. Ne lâchez pas. Y'a un putain. Suivez-les. Là-bas.
Vous en voyez d'autres? Je pense qu'on a terminé. Putain de merde! Mettez-vous à l'abri! C'est du n'importe quoi! Il faut se casser avant que les flics se pointent. Allez! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Putain, vous vous entraînez avec ce truc au moins ? J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis. Ou un truc de genre. Attention! Bouger. Montez dans la caisse. Go, go, go! Go, go, go! Ils nous suivent! Virez-moi ces mecs! Je vais voir ce que je peux faire. Putain, ils lâchent pas le morceau! À gauche.
Très bien. Alors on se casse d'ici. Je me charge de la police. Eh, ça va? J'ai connu certains de ces gosses. Putain, on fait quoi, là? Les choses se passent pas toujours comme prévu, hein. On représente la loi. On n'est pas là pour casser de la racaille. Ça va trop loin. Un peu de patience, on va voir comment les choses évoluent. En attendant, on a une autre piste à suivre. Comment ça, on a une autre piste? Oui, je crois. J'ai entendu parler de filles qui ont disparu. Mendoza donne aussi dans la prostitution? Mendoza s'occupe de tout ce qui rapporte du fric. J'ai reçu un appel d'un de mes indiques hier. L'une de ses amies a disparu. Vous pensez qu'ils lui ont mis la main dessus? C'est ce que je vais essayer de découvrir. Récemment, une violente confrontation entre les Rolling 50s et une bande rivale s'est soldée par une nuit de terreur à South Los Angeles. Des dizaines de personnes sont mortes dans les rues, devenues pour l'occasion un véritable champ de bataille. Il faut se décider à faire quelque chose. C'est pourquoi je me porte en faveur de la dépénalisation des drogues. Nous devons ôter l'appât du gain et pousser les bandes et les cartels à la faillite. Il nous faut taxer et réglementer la vente de drogue et investir les revenus dans l'enseignement et les cures de désintoxication pour ceux qui en ont besoin. La guerre contre les drogues est un échec. Il est temps de se rendre à l'évidence. Mon nom est Ron Lindsay et je suis candidat au poste de sénateur.